Et c'est sympa d'être là ensemble. Je trouve que quand on est ensemble, on peut se rencontrer pour de vrai, mais pas, on va essayer là, dans cette rencontre-là, de voir, non pas pour se rencontrer parce que, on va se rencontrer sans raison. On va se parler sans raison. Parce que si vous avez plein d'idées dans votre tête et que vous voulez la mettre sur le tapis, on ne va pas se rencontrer. On va avoir des divergences. Okay? Et moi, je propose qu'on puisse commencer comme ça, à écouter comme si vous étiez en train de regarder un bel arbre. Okay? Et que vous ne dites pas « Ah, ça c'est un arbre qui ressemble au cocotier de la famille des palmiers » et puis tu mets un nom scientifique dessus. Parce que tu n'es plus en train de regarder ni d'écouter. Tu es en train d'écouter ce que tu as dans ta tête. Et dans ta tête, quand je vais parler, quand je vais dire toutes ces choses-là, ta tête sera comme une autoroute. Et tu voudras, il y aura des choses que tu ne seras pas d'accord avec. Parce que tu as déjà des idées préconçues. Tu vois. Donc, écoutez jusqu'à la fin. Comme un enfant qui écoute une belle histoire. Parce que pour connaître l'histoire, il faut que tu écoutes. Un enfant qui n'écoute pas l'histoire, à la fin, il ne connaît pas l'histoire. Ok ? Donc c'est une histoire. On va faire un voyage ensemble. On va sortir de notre petite coquille, de notre petit monde, de notre petit soi, où il y a du confort avec toutes nos conclusions, nos envies, nos désirs. On va arrêter ça. Et on va être là, présent. C'est un état de méditation, si vous voulez, où on peut regarder les choses comme elles sont. On n'est pas là pour être d'accord. Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est une question de découvrir ce qu'il y a. OK ? Sans essayer de mettre quelque chose en évidence. Ce n'est pas une religion que je fais. Je ne suis pas un parti politique. Je ne prône rien. Je ne veux rien. Je n'attends rien de qui que ce soit. Ce que je fais là, c'est que j'essaye d'être le plus moi-même possible, sans que ma pensée vienne interférer avec mon langage. Donc, mon langage va être au-delà de ce que l'humanité prône. Ok ? Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est facile à entendre, tout ça, parce que là, je vais vous dire des choses qui vont vous déranger. Mais ce n'est pas grave. Soyons dérangés. Parce que, vous voyez, je fais ces conférences depuis 4 ans. Je les ai faites à la médecin, à ces médecins utiles. Tous les samedis à l'époque, on le faisait pendant 2 ans, on a fait ça. Après, je fais des émissions télé avec mademoiselle. Et en fait, on parle tout le temps de tout ça. Ma vie, elle est ça. Elle n'est rien d'autre. Je n'ai pas de situation où je dois faire quelque chose pour subvenir à mes besoins. Je n'ai pas ça. Je vis comme ça arrive. Si j'ai, je suis content. Si je n'ai pas, je suis content quand même. Donc il n'y a rien que je puisse obtenir qui me donne une satisfaction. Je n'ai pas besoin de satisfaction parce que celui qui cherche la satisfaction, c'est celui qui ne va pas bien. Donc il n'y a rien qui ne va pas bien. Il y a la paix. Et quand il y a la paix, eh bien vous savez, quand il y a la paix, quand il n'y a plus de pensée, alors c'est à ce moment-là qu'il y a une grande joie parce qu'on n'a plus besoin de rien faire pour gagner un peu de gaieté. Et surtout, c'est la gaieté qu'on a gagnée qui est futile, qui n'est pas... qui est illusion. Et cette illusion-là, il faudrait qu'on la voie ensemble. Est-ce que vous savez tout, c'est quoi l'illusion? Quelqu'un vous a déjà parlé de l'illusion? Est-ce que tu sais c'est quoi l'illusion? C'est quelque chose, je vais vous dire, l'histoire du Père Noël. Quand tu le crois, tu es illusionné. Donc, si quelqu'un te dit un mensonge et que tu y crois, tu es illusionné. Tu n'es pas avec les faits. Les faits, c'est que
Il n'y a pas cette histoire. C'est un mensonge. Mais quand tu as réalisé qu'il n'y a pas ce mensonge, qu'est-ce qui reste? L'imagination. Non, il ne reste plus rien. Tu es face à rien parce que le mensonge n'existe pas. Alors il faudra que tu fasses face à ce qui existe vraiment. Et ce qui existe vraiment, ce sont des faits. C'est ce qui existe dans notre société, dans notre monde. On passe tout notre temps à regarder la vie qu'on aimerait, qui est l'illusion que l'on fait de la vie. Mais on ne voit pas la vie comme elle est. On voit la vie comme on aimerait, comme on t'a appris. Et depuis des décennies et des décennies, toute la race humaine avant nous nous a indiqué comment faire, pour comment se comporter, comment réagir, comment boire, comment manger, comment se marier, comment faire des enfants. Et tout ça, ça a été promulgué par tout un monde avant nous. Et tout ce monde avant nous est le résultat de notre conscience. Nous avons tous cette conscience qui appartient à l'humanité. Elle n'est pas à toi. Ce que tu penses, c'est pas toi. C'est pas à toi. Ce que tu penses, ce sont des courants qui se sont installés au fil des âges. Et après, quand toi tu as vécu, tu t'es forgé un personnage, un caractère, et c'est devenu toutes ces choses que tu sais. Donc tu prônes, moi je suis ça, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis un père de famille, et tu joues des rôles. Donc tout ça, c'est pas toi. Ça, c'est l'illusion dans laquelle on est tous embarqués. Que l'on aime ou pas, on est tous embarqués comme ça. On est tous, la terre entière, 99% du peuple de la terre est conditionné de cette manière. Je dis bien 99% parce que, pour ne pas dire la plupart on est conditionné. Il y en a qui ont pu sortir de cette effervescence qui s'appelle le désir, la faim d'être bien, l'envie d'avoir du bien-être et de se retrouver dans une zone de confort. Nous connaissons tous ça. Mais ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas un bien ou mal. On est comme ça, c'est ok. Mais ce qui est pas bon pour nous, c'est de ne pas remarquer ce qui se passe. Parce que si tu ne remarques pas cet état que tu es, dans lequel tu es, alors tu vas vivre ta vie en prenant ce que tu es. Mais ce que tu es n'est pas vrai. Ce que tu es, c'est juste à rentrer en conflit avec l'autre. Parce que l'autre ne sera pas d'accord avec toi. Parce que tu vas lui imposer quelque chose qui t'appartient, que tu as amassé sur le parcours de ta vie. Tu as amassé quelque chose. Tu t'es fait de cette chose-là. Tu as dit, ça c'est ma croyance, ça c'est mon Dieu, mon machin, mes affaires. Et puis on regarde la vie de cette manière-là. Et donc on ne sait pas que tous les gens aussi autour de nous font la même chose. Donc on rencontre que le conflit. L'être humain est en conflit. Pourquoi? Parce que nous voulons prôner ce que nous avons inventé pour nous rassurer d'être quelqu'un. Parce que quand tu es quelqu'un, alors ça te rassure. Parce que finalement, si tu n'es pas tout ton passé, si tu n'es pas ce que tu es, ce que tu penses que tu es, alors qui es-tu? Tu ne sais pas. Donc tu as peur d'être rejeté et de ne pas être. De ne pas être celui qui est libre. De ne pas être celui qui est accepté des autres. Parce que nous vivons dans un monde conforme. On est conforme à une société qui nous a dicté la marche à suivre. Donc on a tous ces idées de comment on doit se comporter les uns envers les autres. Et quand on ne fait pas ce que les autres attendent de toi, alors il y a un problème. Parce que tout le monde voudra que tu fasses ce qui est conforme à la norme. Aujourd'hui, on est dans une société de normes, de conformité, où tout le monde doit obéir à la règle. On te dit, mets le masque,
tout le monde met le masque. Peu importe la raison de laquelle on te dit faire ça. Parce que les raisons, elles sont multiples. Elle n'est pas pour ton bien. Ne crois pas, c'est pas vrai. Tu peux croire, c'est pas grave. Mais moi je dis, ne crois pas à ce que quelqu'un te dit de faire pour que tu sois bien, pour que tu puisses connaître la vérité. Il n'y a personne qui... Comme justement, je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire et comme je vais voir le ciel. Mais je suis tout à fait... Ok, on a compris. En tout cas, belle vie à vous. Merci beaucoup. Merci. Enfin, je me souviens peut-être une autre fois si... Oui. Ça se présente. On vient vous ouvrir. La vie va nous déranger parce qu'on n'accepte pas ce que la vie propose. Tu vois? Et c'est ça notre problème, c'est que nous sommes tous pratiquement dans notre tête. Vous allez comprendre que ce que nous sommes, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que la vie veut nous donner. À l'encontre d'aimer. Parce qu'on sait tous qu'il faut aimer les uns les autres, mais on ne le fait jamais. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué à vivre notre vie. Parce qu'il y a quelque chose à gagner. Donc maintenant, quand on dit je t'aime, ben, il y a une condition. À condition que je gagne quelque chose. Et le monde entier est fabriqué de cette manière. Tu vois? Et le problème avec ça, c'est que tout ce qu'on est en train de dire là, ça n'intéresse pas grand monde. Parce que tous les gens sont habitués à avoir leur petite vie merveilleuse, avec tout ce qu'ils aimeraient avoir. Ils n'aiment pas souffrir, donc ils offrent plein d'argent, et toujours plus pour ne pas souffrir. Et ils aiment bien avoir les gens autour d'eux qui les carencent dans le sang du poil pour leur dire « Mon ami, t'inquiète pas, tu es mon ami, je t'aime et je te ferai plein de trucs. » Tu vois? En fait, là, on est en train de se mentir. On est en train de se mentir. Et tu vois, si toi tu réalises que tu es en train de mentir, alors tu vas réaliser que tout ce que tu vis, en fait, c'est un mensonge. Et quand tu arrives ça, quand tu arrives à ce moment dans ta vie où tu as réalisé que ce que tu vis n'est pas vrai, il se passe quelque chose. Parce que tu es intelligent. Parce que ce que la vie elle est, ce qui passe à travers toi, ce que tu es d'essentiel en toi, eh bien, c'est cette intelligence. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas moi, tu n'es pas tout ce qui s'est constitué comme un corps, un personnage, un caractère. Tu n'es pas ça, mais tu es une intelligence. Et quand tu réalises tout ce qui est faux, l'intelligence te dit, mais bien sûr. Et tu arrêtes de convoyer ce que les gens voudraient voir de toi. Parce que ce que les gens veulent de toi, c'est que tu sois conforme à ce que eux ils prennent. Pour que leur petit monde ne s'effondre pas. Autrement, le monde s'effondre. Et c'est ce qui se passe. Le monde est en train de s'effondrer. Parce que tous voudraient faire en sorte que les choses restent toujours dans le statu quo. Ma maison, ma voiture, mon salaire. Et puis, si on rit, quand quelque chose arrive qui va à l'encontre de toute cette sécurité que je me suis construit. Donc, nous sommes dans un monde où il y a une divergence terrible entre le pauvre et le riche, entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, entre le vacciné et le pas vacciné. Mais par contre, que ce soit le riche, le pauvre, le vacciné ou le non vacciné, on est sur le même bateau. Et sur ce même bateau qui va nous emmener à bon port, on se bagarre entre nous et on perd le nord. On est mené en bateau. Tu vois le problème? Et chacun d'entre nous, on a la capacité de voir ça. Ça commence toujours par soi. La solution ne se trouve jamais à l'extérieur de la tête.
Parce qu'en toi, ce que tu es, c'est le résultat de la race humaine. Et ce qui se passe en toi, c'est toute l'histoire qui se joue. C'est-à-dire tes souvenirs de comment tout se passe, c'est là, c'est installé, c'est une information. Et cette information te dicte comment tu dois évoluer. Cette information, c'est une information que tu as enregistrée. Ton ADN a enregistré. Tout est enregistré dans ce corps. Parce que c'est le résultat de toutes les millions d'années de vie. On a commencé avec une cellule, puis 2, puis 4, puis 6, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on en a 2000 milliards de cellules. Ça, c'est la quantité. Et ça a fait ce que j'appelle moi. Mais il ne faut pas s'identifier à ça en disant ça, c'est moi. Ce n'est qu'un paquet d'atomes de, voilà, qui circulent. Et nous, l'esprit qui est là, il peut être témoin de ce qui se passe. C'est pour ça que tu peux réaliser que ce que tu es, et c'est très difficile à mettre en œuvre pour savoir vraiment qui tu es. Parce que ce que tu es est formaté dans tous tes gènes. Mon père, ma mère, mes enfants, mon appartement, ma femme, mes enfants, tout ça, on s'est identifié à ça. Même on s'est identifié à notre téléphone, c'est l'extension de nous-mêmes. Tu vois ? Donc, si on perd son téléphone, c'est une catastrophe. Si quelqu'un vient ératiner ta voiture, c'est une catastrophe. Si tu perds ton salaire, c'est une catastrophe. Parce que tu es lié à ça. Pour exister à travers ça. Parce que tu t'es identifié aux choses. Mais ce que tu es n'est pas une chose. Tu ne peux pas t'identifier à ce que c'est une chose. Ce que tu es est immuable. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et quand tu réalises que ce que tu es n'a pas besoin de rien pour exister et être heureux, alors toute cette affairement que l'on a, nous les humains sur cette planète, à chercher le bonheur, à courir derrière nos désirs pour avoir un peu de confort, pour avoir un peu de gaieté, tout d'un coup, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas besoin de tout ça. Et tu vois, quand tu as dit ça, tu te retrouves tout de suite être libre, être autre chose que ce que tu pensais devoir être pour réussir. Pour arriver quelque part. Et tu vois, c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui est inconscient. Ce que nous faisons des fois n'est pas conscient. La plupart d'entre nous, on a fait des choses qu'on ne voulait pas faire, mais on fait quand même. Vrai ou pas vrai? Donc, on fait des choses pour faire plaisir. Oui. Et ça, c'est instinctif, c'est le réflexe. Si quelqu'un me donne une claque dans la figure, moi je prends une claque comme ça, tu sais, c'est instinctif, c'est un réflexe. Mais maintenant, si on réalise ce qu'on est à ce moment-là, c'est qu'on est un paquet de mémoires qui a réagi spontanément, compulsivement à ce qui se passe. Alors cette réaction, si tu la vois, si tu es témoin de cette réaction, et qui sera témoin de cette réaction? Eh bien, c'est celui qui regarde, celui qui est libre du regard de celui qui existe. C'est-à-dire que tu vas regarder le monde comme si tu vas aller dans une salle de cinéma, tu vas t'asseoir, okay, tu vas regarder ton film, le film de ta vie, ce que tu es, ce qui se passe dans ta vie. Tu ne vas pas jouer dedans, parce que si tu joues dedans, tu ne peux plus regarder, tu ne peux plus voir. Okay, tu vas te mettre à l'écart, tu vas regarder. Tu seras témoin de ce qui se joue. Et en étant témoin de ce qui se joue, eh bien, tu sais qu'est-ce qui se passe. Comme j'ai raconté pour le petit enfant qui écoute une histoire, il connaît l'histoire. Mais il a fallu qu'il soit libre de toute la distraction qu'il avait dans sa tête pour pouvoir écouter, pour pouvoir être attentif à tout ça. Et c'est ça qui nous manque, parce qu'on est constamment distrait.
charmant, l'histoire du Père Noël. Tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte constamment dans notre tête. Tu vois la pensée? La pensée se régulière de toutes ces mémoires qui sont ruminées à chaque fois. Parce que tu vis une vie, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui te dérange parce que tu n'es plus dans ta zone de confort, parce que ta vie, tu aimes bien qu'elle soit dans une zone de confort. Et quand tu n'as plus cette zone de confort, eh bien, tu te retrouves un peu perdu. Donc, tu vas essayer de retrouver la sécurité, de chercher quelque chose qui va te réconforter pour pouvoir être avec ce qui te donne l'assurance que tu existes encore. Donc, notre plus grand défaut, le malheur qu'on a, nous les êtres humains, c'est de ne pas accepter ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est rien. Donc, nous voulons faire de nous un personnage, quelque chose qui soit là, qui soit présent, et que tout le monde peut glorifier, peut dire « Ah, ça c'est monsieur Inter, ah oui, tu le connais, tout ça. » Tu vois? Donc, quand tu as la reconnaissance, il y a la sécurité. Et dans cette société, ce qu'on te demande, c'est de faire en sorte que tu puisses réussir. Et si tu regardes le monde commencer aujourd'hui, si tu n'as pas réussi, si tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas appris, si tu n'as pas assez d'argent, si tu n'as pas pu te débrouiller, que tu sois que par l'apprentissage, par le cambriolage, tout ça, on doit réussir à se faire une zone de confort. Peu importe comment tu l'as fait.